partager en fait notre passion. Gabriel. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous ce soir? D'accord, mais c'est impressionnant, ça jamais. Il y a quelqu'un, mais il est puissant. Je sais pas, c'est comme si on m'empêchait. En fait, c'est comme si j'étais collé au parking et que je pouvais pas du tout bouger, quoi. Mais tu manges bien à la cantine. Je vois rien. On a beaucoup de résultats, du coup on est content parce que là ça s'annonce hyper bien la soirée. De toute façon, tous ceux qui sont attirés dans ce monde-là ou qui ont des capacités, ils ont souffert de quelque chose. Là, j'ai peur quand même. Vous les aidez, je fais ça à la tête, puis c'est la tête, puis j'ai dit quelque chose, J'ai dit bonjour, je vous promets. Le courant d'air, c'est parti en courant d'air en arrière. Ça a tapé dans les disques, la platine disque. Les disques sont tombés sur la platine et la platine a glissé sur le côté. Par rapport à d'autres, ouais, c'est. Vous êtes là pour la passion, vous n'êtes pas là juste pour dire il y a un fantôme, quoi, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est pour la passion et le partage. J'étais chez moi sur mon canapé, j'étais en état de méditation, je fais de la méditation, ça permet de développer aussi le groupe. Et comme il y a une énergie, en fait, le médium m'avait dit vous allez voir, elle va vous mettre sa main droite sur votre joue. Oui. Voilà, les vedettes.
Gabriel. Donc là du coup on va commencer le premier atelier. Donc là on se trouve à l'atelier Ouija et à côté Guéridon. Voilà, j'espère que tout le monde est prêt. Pas tout le monde apparemment. Bon, vas-y, prends place hein, Thibaut. Tu mets où toi? Je pense que je vais mettre là moi. Mais là. Donc mets-toi là ou là. Moi je vais sur le canapé. Sur le canapé. Ah, je fais pas tout seul. Comment je peux me mettre là? Ouf. Non, mais ça gêne pas, ça gêne pas. On peut déjà être attaqué, ça, on peut pas le faire. Non, ça gêne pas, pas de soucis. Voilà, j'arrive juste, je vais emmener. Je veux un beau sourire, c'est pour mon futur livre. C'est ça, exactement. Il faut être en contact avec le sol. Oui, il faut pas croiser. À noter. Pour ton bouquin. Vous avez déjà touché de la Ouija? Non. Non. Ok. Ben en fait donc il faut mettre le doigt donc très léger hein, voilà. Mais si j'arrive pas à faire léger, ça veut dire qu'il faut à peine le... Il faut frôler en fait, ouais, effleurer quoi. Ouais c'est chaud. Faut pas que le coude. Donc si vous voulez parler, poser des questions, n'hésitez pas. Bonsoir. Je sais pas quoi poser. Il y a quelqu'un à appeler en particulier ou pas? Alors, il y a. Qui c'est qui? Vous là? Non. Non. Ouais, c'est chou. Ça y va. Ça y va. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous ce soir? Oula. Ouais, d'accord, mais c'est impressionnant, ça a jamais commencé. Il y a quelqu'un, ouais. Et il est puissant. Je vous le dis tout de suite. Bonsoir. Ça a jamais commencé. Bonsoir. 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 Bonsoir, merci d'être là. Bonsoir. C'est impressionnant parce que ça a commencé direct. Non. Il n'y a personne. C'est ce que vous voulez dire? Si tu es là, manifeste-toi. Si vous faites bouger la... Si vous faites bouger la goutte, c'est forcément qu'il y a quelqu'un. Vous ne pouvez pas dire non. Alors dites-nous ce que vous voulez nous dire. On vous écoute. On vous lit. Oui. Allez-y. Alors allez-y. Vous avez les lettres, n'hésitez pas donc à... Non. C'est bizarre. Mais c'est bizarre, déjà ça a commencé directement, c'est la première fois que je vois ça. Hein. Vous voulez pas vous exprimer? Si. Avez-vous un message précis pour quelqu'un, s'il vous plaît? Laissez tomber et ça répondra pas. Non, ça arrête pas de faire oui, non, oui, non, c'est oui. Bizarre. Tu vas demander au moins un prénom. Voir s'il donne au moins son prénom, après sinon c'est... Attendez, c'est tombé. Est-ce que vous pouvez... Attendez. Un truc de fou. Attendez deux secondes. On attend. Non, mais là... Ça ne donnera pas de réponse. Est-ce que vous pouvez donner la première lettre de votre prénom, s'il vous plaît? Il est en train de jouer. Je ne sais pas s'il ne faut pas y mettre fin. Oui, on va y mettre fin. On va mettre fin, s'il vous plaît. Ok, bah super. Merci. 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 Vous avez ouvert la Ouija ou pas? Est-ce que quelqu'un a ouvert la Ouija? Comment ça, ouvert la Ouija? Il faut faire trois tours. Ah non, 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 elle est neuve en plus. Hein. Elle n'a jamais servi. D'accord. Sérieusement? Elle est belle, hein. C'est bizarre que ça s'est mis. Ah oui, oui, oui. Ah oui, elle est neuve, hein. Elle était sous blister. Elle était ouais, tout à l'heure, on l'a dû donner tout à l'heure. Ouais. C'est curieux ça. Ouais. Bah, c'est pas normal. Non.
c'est démoniaque. Non, c'est pas démoniaque, mais je pense qu'il voulait jouer, c'était un joueur à mon avis. Peut-être pour nous accueillir, elle peut dire que bah... Ouais, nous accueillir, dire que c'était pas un mauvais esprit, qu'au contraire c'était pour jouer, que c'était la première approche, peut-être, je sais pas. Ouais, c'est peut-être... Restons optimistes. Allez, on recommence. Allez, on va interpeller. Ça engourdit le bras. Je vais aller de l'autre côté pour voir. On sent vraiment l'attraction de la zone, c'est un truc... Ouais. Hein? J'ai l'impression quand elle commence à bouger, j'essaie de décoller le doigt, mais elle est collée. Il y a une force. Est-ce qu'il y a une entité du château qui est avec nous actuellement? Ou une entité qui serait pas forcément rattachée à ce château? Si vous êtes du château, allez sur oui. Si vous n'êtes pas du château, allez sur non. C'est timide, hein. Ouais, c'est chaud. Donc du coup, vous êtes une entité qui n'habite pas dans le château. C'est exact? Pouvez-vous... Attends, ouais. Je vais poser la question. Parce que s'il recommence à bouger puis qu'il repart sur le nom... Mais je pense que là, c'est plus sérieux que tout à l'heure. Pouvez-vous vous diriger vers la personne concernée? Non. Vous voulez pas que la personne sache? C'est bizarre. Non, mais ça refait pareil. Ouais. Peut-être une question. Double oui. Vous voulez jouer avec nous? Si vous voulez jouer, allez sur la lettre F. Est-ce que vous êtes un esprit farceur? Il va te répondre oui. J'ai une question. Voulez-vous rester anonyme? Oui, ça fait que oui. Non, ça fait ouais, ça. C'est fou. Bon, on remet un terme à cette séance, s'il vous plaît. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Est-ce que ça se passe bien? On n'a rien du tout, ça n'a rien. Merci quand même d'être présent. Au revoir. D'accord. Merci. Les transpirations. Si quelqu'un est présent parmi nous, qu'il se manifeste, s'il vous plaît. Y a-t-il quelqu'un pour entrer en contact avec nous, s'il vous plaît? Si une entité est présente, rapprochez-vous, n'hésitez pas. Est-ce que Pierre est là? Il va bien de droite vers la droite. Non, il va bien de gauche. Il est pas là, il me dit. Il est là. Oh là là. En fait, c'est des baguettes de sorcière. Donc, que, on pose des questions et ça répond. Donc, c'est-à-dire oui, c'est à droite et non, c'est à gauche. Okay. Voilà. Et là, apparemment, ben, c'est en train de marcher, donc même si elle parle de tout, il y a des choses qu'elle dit. Très bien. Quand on parlait du oui et du non, il y avait des baguettes. Ah, elle était partie avant, la baguette. Voilà.
Ah, oh là là, oui, il y a cette phrase. Ah oui. Donc en fait, elle ne sait pas trop. Parce que là, ça veut rien dire, mais. C'est ça. En fait, là, il faut que on veut que vous pouvez remettre droite, en fait. Ah, je demande. Est-ce que vous pouvez remettre les baguettes droites, s'il vous plaît? Allez-y, allez-y encore. Ça vous demande énormément de force, mais... Allez-y, allez-y, décroisez les baguettes, s'il vous plaît. Allez-y, allez-y. Je sens que ça bouffe, mais juste que je ressens, hein. Allez, encore, encore, encore. Encore. Allez-y. Encore. Encore un peu. Encore un peu. Allez. Allez. Encore un peu. Encore un peu. Allez, allez. Ça y est, presque. Allez. Allez. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Oh, j'ai chaud. Oh. Oui, j'en ai plus. Peut-être juste poser la question. La baguette de droite. Non, la baguette de gauche, oui. Il y aurait plusieurs entités. Donc. À gauche pour Théo. Voilà. Même procédé, est-ce qu'il y aurait Elsa parmi nous? Est-ce qu'il y aurait peut-être Monsieur l'évêque, Pierre. À gauche pour Théo, pour dire oui. Ça, ça fait deux. Elsa était, d'après vous, elle est là ou... Ah. Ah oui, là, c'est deux. Oui, quand je parlais d'Elsa... Elsa, oui. Donc, ça veut dire oui ou non? C'est ça. Oui. C'est ça, c'est oui. Mais oui, oui, je crois que c'est oui. Gauche. À gauche, pour lui, c'est... Oui. Elsa était là. C'est pour ça. Oui. Merci quand même d'avoir. Merci. Au revoir. Merci. Merci d'avoir. Il y a eu un résultat. Bon, le ventre est rond. Il y a eu un résultat. Non. Oui. Des sensations. Oui. Non. Moi, personne ne veut venir. Non. Ok. Mais après. À côté, c'est puissant. Niveau d'accord. Des baguettes. Et ah, ouais. Ah ouais. C'est puissant. C'est vraiment. Ça fait un tour presque. Okay. Donc c'est peut-être ici. Je sais pas. Ouais. Ou il y en a qui veulent pas utiliser ce mode de communication. C'est peut-être plus facile pour eux d'aller sur une des baguettes ou une spirit box. Surtout si c'est ancien, peut-être plus ancien, peut-être plus compliqué pour eux de. Parce qu'en fait, moi, ce que je ressens, c'est que ça bouge à l'intérieur de moi, qu'on me traverse. Bon les amis, là du coup on vient de faire la séance de Ouija et en fait donc ça nous a... Bon au début ça faisait que oui non et après on a réussi à avoir des lettres, on a demandé le prénom et ça nous a dit donc E-L-S-A, donc Elsa. Donc c'est tout ce qu'on a réussi à avoir puisqu'après c'est parti sur le fin. Voilà, on va essayer de retenter peut-être à nouveau. Je sais pas, du coup, vu qu'elle a mis fin, je sais pas si... On va avoir quelqu'un d'autre. Hein, voilà, ouais. C'est ça. Ah, c'est parti. C'est étonnant, on est la première fois comme ça. Oui, c'est la première fois que je vois ça, par contre, que ça part comme ça. Tu vois ça aussi? Aussi vite. Ah oui, aussi on n'avait même pas interpellé. Tout à fait. C'est impressionnant.
Elsa, est-ce que vous êtes toujours là, s'il vous plaît, parmi nous? On aimerait juste vous poser quelques petites questions. On veut vraiment pas vous déranger, mais on profite, si vous êtes avec nous, pour pouvoir discuter avec vous. On voudrait vous poser quelques questions. Est-ce que vous êtes d'accord pour y répondre si vous êtes là? Ça hésite. Ça n'a pas beaucoup de force. Ouais, ça hésite. Hein. Ça merci. Est-ce que c'est bien Elsa qui est avec nous actuellement? Merci. Merci Elsa. Merci. Merci. Quel âge avez-vous, Elsa? Pouvez-vous nous donner un chiffre, s'il vous plaît? Vous ne savez pas votre âge? Alors, allez vers votre âge, s'il vous plaît. Le premier chiffre de votre âge, Elsa. Oh non, ça recommence. On aimerait connaître votre âge. Est-ce que vous pouvez nous communiquer votre âge, s'il vous plaît? D'accord. Et le deuxième chiffre? 75 ans? Non, l'année de naissance, non? Vous êtes né en 75? Vous êtes né en 75 ou c'est l'année 1900? Non, c'est pas 1875. C'est bien 1875 que vous essayez de nous dire? Donc c'est votre date de naissance. Donc du coup il faut calculer 1875. Ah mais on sait pas quand elle est. Pouvez-vous nous donner votre âge du coup, s'il vous plaît? Vous êtes décédé à quel âge? Non, l'année. Il se rappelle de l'année. Ah, ouais. Non, c'est véridique. Ouais. Alors l'année. Quelle est l'année de votre mort? C'est brutal. Ouais. Ah, mais c'est vrai. Donc. Un, d'accord. Donc, 1008. 1008. 1748. Ça lui fait 4 et 3. Dans les 70 ans. 48 et 25. Vous avez 48 et 25. Ouais. 50 et 25, ça nous fait du 75 moins 2, 73. Êtes-vous morte à 73 ans, Elsa? C'est ce que vous essayez de nous dire? Ça me parle, en plus 73, hein, il me semble, ouais, que j'ai déjà entendu dire... Merci, c'est gentil. On va lui demander, parce que je crois qu'il le sait, on lui demandera. Je vais lui demander. Donc à 73, je vais lui demander. Okay. Il est là? Oui, il est là. Il est où, la côte, ou pas? Si, bien sûr. Ouais. Ah. Bien sûr. Donc 73 ans. Ouais. Non, on s'est trompé dans les calculs, désolé. Non, c'est pas ça? C'est pas 73 ans? Dites-nous, Elsa, on vous écoute. Ah. Ok. Merci okay. beaucoup. Merci. 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 Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Ah, c'est pas Elsa. Vous pouvez nous appeler votre prénom, s'il vous plaît? Euh,
C'est stressant. Je vois pas. Vous voyez, vous Le cul. C'est un cul. Est-ce que c'est un cul que vous nous avez désigné? On voit pas bien, là. Oui. Le cul. Vous pouvez recommencer, s'il vous plaît? Pouvez-vous recommencer à appeler votre prénom? Ça chevauche entre le cul et la lettre d'après, donc ça a R. Oui, on comprend pas. On ne comprend pas. Oui, il faudrait qu'il y ait qu'une seule personne qui parle. Pouvez-vous la lettre suivante, s'il vous plaît? L. S. I. Elsie. Ça veut rien dire. Est-ce que c'est Elsa? Si c'est pas Elsa, c'est qui alors? Est-ce un homme? Vous êtes une femme alors? Est-ce que vous pouvez nous épeler votre prénom, s'il vous plaît? Oui. Ensuite. Un G. O. G O. C'est quoi, non? J. O. Géologie. C'est entre deux. Géologie. C'est entre deux. C'est en plein milieu. Est-ce que vous jouez avec nous? C'est entre le J et le I, c'est ça? Ça fait deux fois qu'on vous demande, trois fois qu'on vous demande de nous épeler un nom. Vous nous épelez un début de Elzo, Elfif, Goge. Est-ce que vous jouez avec nous? Est-ce que vous avez du mal à épeler votre prénom? La pièce où donc l'évêque s'est fait étrangler, hein, c'est ça? Oui. Est-ce que l'évêque est ici? Est-ce que son âme est toujours ici, là, dans cette pièce? Un coup pour oui, deux coups pour non. Bon, bah là. Alors, ce que je vais vous demander, ça va peut-être vous demander de l'énergie, mais j'aimerais que vous puissiez nous emmener à l'endroit exact de cette pièce, avec le guéridon, où il a été étranglé. Est-ce que c'est possible pour vous? Un coup pour oui, deux coups pour non. Ça soulève. On le sent, en fait. On le sent, dès que ça va, du départ. D'accord, bah du coup, allez-y, est-ce que vous pouvez déplacer le guéridon jusqu'à... Alors là, il va falloir un peu qu'on se... Est-ce que vous pouvez déplacer le guéridon? Oh la vache. Alors, là du coup, il va je vais vous aider. Est-ce que vous voulez essayer de le traîner et on vous accompagne? Voilà. Comment c'est chaud. On vous accompagne. Alors, il est mort au bout. Ici. Tapez une fois pour dire oui si vous êtes mort là. Ah, c'est Elsa laquelle. Non. Non, mais là, je pense qu'il n'a pas fini son chemin, en fait. Et oui, c'est pas évident. Alors, allez-y. Ouais, en fait, c'est le tapis, je pense. Est-ce que vous êtes bloqué? Un coup pour oui, deux coups pour non. Est-ce que vous n'arrivez pas à accéder à l'endroit où vous êtes mort? Je peux pas. on va l'aider, en fait. On va enlever le tapis. Ouais, on l'a mis sur la... C'est vachement impressionnant. Là-dedans, là où il y a le... J'ai un mauvais pressentiment là-dedans. Je pense qu'il est mort là-dedans. Alors, là, il est derrière. Allez-y, ça sera plus facile pour vous. Est-ce que vous pouvez nous emmener à l'endroit exact
où il a été tué, s'il vous plaît. Ah, oui, 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 oui. Là, c'est de la force que ça. Attention à toi. Ouais. Ça y est, tu es passé. Ici, il est mort là. Juste ici. D'accord. Est-ce que vous confirmez qu'il est bien mort ici? Est-ce que vous confirmez qu'il est bien mort à cet endroit-là? Un coup pour oui, deux coups pour non. D'accord, merci. Merci. Donc merci. Ça sera à l'entrée alors. Non, il serait là. Ouais, ici. Là. C'est juste à l'entrée. C'est à l'entrée, hein. C'est là. D'accord. Oui, oui, c'est là. Oui, parce qu'ils ont pu le malmener et le molester, et puis qu'ils finissent par mourir à cet endroit-là. C'est juste d'accord. À côté. C'est toujours Elsa qui nous parle actuellement. Un coup pour oui, deux coups pour non. D'accord. Je sens de l'électricité dans les vases. Ah ouais, ouais, c'est... Ah, c'est un truc de fou, surtout la main droite. Il a encore vu passer par là. Je sais pas, j'ai l'impression que j'ai envie de pleurer. C'est l'impression que j'ai eue tout à l'heure. J'ai envie de pleurer, c'est un truc de dingue. Je regarde juste l'heure. Ouais, il est 48, on va mettre un terme à la séance. D'accord. Il ne faut pas lâcher. Merci. Merci aussi de vous être joints à nous. On met un terme à cette séance de guéridon. Mais il va y avoir d'autres personnes qui vont venir ici. Donc vous pouvez vous manifester de nouveau si vous avez encore un message à faire passer. Nous, on met un terme ici à cette séance. Donc merci beaucoup et au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. En fait, je pense que tant que je pleurerai pas, à mon avis, je sais pas, j'ai la sensation de pleurer, mais ça veut pas sortir, en fait. C'est ça qui est pénible. Donc, bloqué. Impossible de lever un pied ni rien. Impossible, pas un pied. Non. Il y a juste le talon, où j'ai l'impression, le talon un peu, mais c'est une sensation de lourdeur, c'est une sensation de quoi? Je sais pas, c'est comme si on m'empêchait, en fait, c'est comme si j'étais collé au parquet et que je pouvais pas du tout bouger, quoi. En fait, le guéridon nous a emmenés ici, et depuis... Mais tu sens tes jambes quand on les touche ou pas? Ouais, je sens les jambes. Tu sens que t'as plus de force que d'habitude dans les jambes? Ouais, bah en fait j'ai les jambes qui arrêtent pas de trembler quoi. Ah ouais. Je tremble des jambes. Si vous êtes l'évêque, est-ce que vous pouvez me laisser partir? Est-ce que la présence de quelqu'un vous dérange et c'est pour ça que vous laissez pas partir? Il y a personne. Oui, je veux dire la présence ouais, d'une personne ici là. Il n'y a personne, c'est pas un esprit qui le bloque. Le talon, il est décolle. S'il vous plaît, rebonsoir. On a établi tout à l'heure une séance de guéridon qui nous a emmené donc apparemment à l'endroit où l'évêque a été étranglé. Et là, donc, on a... C'est quoi déjà ton prénom? David. David, désolé. On a David, du coup, qui est apparemment bloqué. On aimerait donc pouvoir résoudre cette situation et que vous débloquiez David, s'il vous plaît. Est-ce que l'entité qui était avec nous tout à l'heure est toujours là avec nous? Un coup pour oui, deux coups pour non. Ok, est-ce que, s'il vous plaît, vous pouvez débloquer David? Un coup pour oui, deux coups pour non. Il va dire non. Alors,
Ok. Alors, un coup pour oui, deux coups pour non, s'il vous plaît. Alors, je vais reposer la question, du coup, parce que c'était pas très clair. Est-ce que vous pouvez débloquer David, s'il vous plaît? Un coup pour oui, deux coups pour non. Oui, d'accord, donc faites-le, s'il vous plaît. Ouais, parce que là, j'ai la crampe, là. On va jamais me croire. Et là, du coup, tu peux... Allez-y, allez-y, débloquez-le, donc. Avez-vous la force de pouvoir débloquer David? Bah, ce serait bien qu'il ait un coup de coup. Un coup pour oui, deux coups pour non. J'ai le ballon qui s'est un peu déplacé, mais... D'accord, bah faites-le alors, s'il vous plaît. Maintenant. Regarde mon bras gauche. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas fait, qu'on a mal fait, que... Non. Qu'il faut qu'on refasse? Je ne pense pas. Tu peux pas là? Peut-être, mais est-ce que vous avez déjà essayé de le faire là? Est-ce que vous l'avez déjà essayé de le faire, de le libérer? Bah oui, après moi je sais pas ce qu'on peut faire là. Je sais pas du tout là. Faut lui demander, entièrement le débloquer, entièrement, pas que un pied. Mais qu'est-ce qu'il y a en fait? T'as tes pieds bloqués, t'arrives pas à bloquer. En fait, c'est quand ils sont collés les pieds au sol. Il est fixé au sol. Fixé au sol, c'est. En fond de moi, je force, mais c'est comme si on me retenait en fait. C'est mon bras qui prend. C'est que le gauche. C'est que le gauche. Là, le droit, j'arrive à le bouger à peu près. Je contrôle pas. C'est le talon qui. Le talon. Mais là, ce que tu sens, tu sens quelque chose d'espèce de mini coup de marteau en fait sous chaque doigt. C'est les vibres, c'est l'énergie. Non, j'essaie de sortir. Bah, essayez. Oui. Bah, ils ont essayé de me tirer tout à l'heure, ils m'ont soulevé un tout petit peu, mais ça s'est tout remis. Je vais essayer de forcer, mais ça s'est recollé en fait tout à l'heure. Je vais vous demander. Je vais vous demander de donner toute la partie de la. Se laisser faire, ouais, porter. Ça fait mal sur la jambe. Non, ça fait pas mal, c'est juste qu'on ne veut pas me la défaire de coller. Je vais vous le donner sur la gauche, s'il vous plaît. T'es prêt? Ouais. Un, deux, trois. Allez. Sortez-le. C'est bon? Sortez-le. Attends, Éloignez-le là, du attends. Point là. Mais tu manges bien la cantine. Je vois rien. Tu me dis, c'est beau. Asseyez-le sur une chaise. Ouais. Il faudrait une chaise, s'il vous plaît. Et tu t'as acheminé. Sans retenue encore. Ça va mieux? Tu peux bouger, tu peux. J'aime pas cette pièce. Ça va, ton mollet? Ça va, je suis... Attends, t'as bougé les deux? Non, en fait, je ressentais aucune douleur, c'est juste comme si on prenait mon talon et on me le fixait au sol. Quand du coup, là, les amis, ce qui s'est passé, c'était très chaud. La Ouija, j'ai jamais vu ça, elle est partie direct, on n'a même pas eu le temps d'interpeller. Les guéridons, pareil, c'est... Enfin, au début, ça fonctionnait pas avec les groupes apparemment qui étaient présents, et puis nous, c'est parti direct. On a eu David, donc un abonné qui était apparemment bloqué. Bon, là, du coup, on a réussi à régulariser la situation. Voilà, on a réussi à régler la situation, donc là on va continuer, mais on a beaucoup de résultats, du coup on est content parce que là ça s'annonce hyper bien la soirée. N'hésitez pas, donc pour ceux qui le veulent, de poser des questions également, hein. Vous pouvez interpeller, il n'y a aucun souci. Alors donc bonsoir, on se trouve actuellement donc dans les anciennes cuisines. Apparemment, ces pièces seraient donc le théâtre de phénomènes étranges. Beaucoup de personnes ont vécu des phénomènes inexpliqués ici. On aimerait donc savoir s'il y a quelqu'un avec nous ici ce soir qui nous entend et qui souhaiterait donc communiquer avec nous.
Alors pour cela, donc, on vous a mis du matériel qui est vraiment sans danger, donc n'hésitez pas à vous manifester via ces appareils. Il vous suffit juste donc de vous approcher et on pourra voir votre présence, on pourra peut-être établir un dialogue comme ça si vous avez un message à nous faire passer. On a notamment tout à l'heure eu des résultats aux étages. Des entités apparemment qui étaient très décidées à se manifester. Donc on vous invite de nouveau à vous manifester ici en déclenchant les appareils ou en faisant des bruits. Vous pouvez taper contre du bois par exemple ou autre. N'hésitez pas à vous manifester. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici avec nous ? Pour moi, la température, elle monte. Elle monte ? Je suis à 19,6. Alors, ça dépend où tu la prends. Je suis à droite, du la boule. D'accord. Ah, ben d'un coup, c'est redescendu. 16, 18, 20. Alors, qui c'est qui a le cadeau ? Moi. Ah, ok. Oh, oui. C'est peut-être pas une bonne idée de faire sur la boule. Oui, non, moi ce que je peux faire, du coup, ça vous dispersez vraiment. Allez. Oui. Je pense qu'il s'est déjà entre guillemets manifesté. Parce que juste après ta question, j'ai entendu un ch. Oui, mais moi aussi, mais c'est pas quelqu'un qui l'a fait de vous. Non. Rémi. Ah, d'accord, parce que moi je pensais que c'était quelqu'un, oui. Rémi, juste on précise que tout à l'heure qu'on a installé le matériel, on a entendu quelque chose. Oui, on a entendu aussi, c'est vrai. Quand on a installé le matériel, on a entendu une voix aussi, c'est vrai. Et c'était ouais. Juste un chhh. Mais par contre, le chhh, personne ne l'a fait en fait. Non. Moi, je l'ai entendu par ici. Donc, non, mais. Pas, oui, mais moi, je l'ai entendu, mais je pensais que c'était quelqu'un qui l'avait fait. Moi aussi, je pensais que c'était quelqu'un. C'est pour ça qu'on aurait dû poser tout de suite la question, on aurait fait le chhh. Mais vous l'avez entendu, Oui, elle l'a dit. Oui, donc, c'est vraiment personne qui a fait ce bruit? Non, bah, apparemment, non. D'accord. Ah oui, non, parce que moi je pensais que c'était tellement gros que je pensais que c'était... Oui, ouais, c'est ça. Et juste après, elle nous a dit que la température augmentait. Oui, c'est ça. Alors oui, et c'est vrai que oui, tout à l'heure, avec Mathias, on a entendu aussi qu'on installait le matériel, mais nous, c'était plus vers là-bas, en fait. Et c'était une voix plutôt aiguë, hein. Ouais. Donc, sans doute. Bon, ce qu'on va faire, c'est que du coup, on va se disperser, au moins, on sera pas tous au même endroit, et... Voilà, dans chaque pièce, oui, parce qu'il y a celle aussi là-bas, donc après, mettez-vous comme vous voulez. Là, à côté, notamment le phénomène tout à l'heure. À côté, là ? Juste là. Ok. Déjà, on a réussi. Comment vous avez réussi ? Et moi, je ne peux pas faire. Comment t'arrives à voir, Rémi ? Comment t'arrives à voir où tu vois ? Ben, je vois. Tu vois quelque chose ? Tu as un bloc, tu l'as. Qu'est-ce qui se passe ? Je sais pas. Pierre Lévesque, est-ce que c'est toi ? Est-ce que c'est toi qui as tapé tout à l'heure dans la pièce ? Est-ce que tu peux taper de nouveau pour nous signaler ta présence ? Est-ce que c'est toi qui es revenu ?
n'hésitez pas donc à vous approcher de l'antenne. Regardez, donc je vais faire la démonstration. Voilà, donc il faut juste vous approcher, vous voyez, c'est pas dangereux. Vous pouvez même jouer des notes de musique si vous souhaitez avec cet appareil. Est-ce que vous êtes avec nous? Il y a des résultats ou pas? Pour l'instant, non. D'accord. Est-ce que tu peux faire redescendre la table, maman, s'il te plaît? Non, merci. S'il te plaît. Merci. Écoute. Non. Maman, s'il te plaît. Mais je serai occupé de ta part. Maman, redescends cette table, regarde dans, s'il te plaît. Maman, est-ce que tu es seule autour? Est-ce que tu es seule? Un coup pour oui, deux coups pour non. Est-ce que tu es seule autour de nous? Est-ce que Eric est avec toi, maman? Un coup pour oui, deux coups pour non. Eric, est-ce que tu es là? Un coup pour oui, deux coups pour non. Je suis vraiment désolée pour ce qui était arrivé. J'espère que tu reposes en paix, Eric, là où tu es. Est-ce que tu reposes en paix, Eric? Un coup pour oui, deux coups pour non. Même si vous,
Même si vous pouvez essayer de la faire tomber. Je vous en prie, essayez de nous le faire sonner, s'il vous plaît. Vous essayez de dire non avec votre main, c'est ça? Si c'est le cas, levez un bras. Ouais, avec sa main droite, on dirait. Ouais, c'est ça. Comme ça. Ouais, c'est ça. Il arrive pas, il y a pas de. Attends, il est en train de se tourner. Il est en train d'y aller. Il est en train de se tourner. Ah, ouais. Il y va. Il essaie de toucher. Ouais, là, il essaie de le toucher. Ouais. Ah oui, excellent. Mais c'est dingue. Allez-y, touchez. Allez-y, hein. Par contre, la tête, elle est lourde. Oh la vache. Ah, au bout d'un moment, jamais. Mais ouais, non, il était pas dans cette position, ça peut pas être la plante, hein, parce que si c'était la plante, elle serait restée dans la même position. Non, on peut pas la plante. Mais c'est bon, Attendez. Et, vous voulez une bonne nouvelle? Oui. Il est en train de toucher la peluche. C'est vrai? Ouais. Mm-hmm. Complet. Allez-y, prenez l'énergie. Dans les batteries, prenez, appuyez. Il vous fera pas de mal, le nounours. Hein, il a la main en fait posée sur la tête du nounours. Oui, c'est ça. Parce que la main elle ne bouge pas là. Il a la main posée sur la tête du nounours en fait. Ah, oui. On arrive à distinguer le nounours. Il a la main posée sur le nounours. Ouais. Ah ouais. Vous pouvez essayer de la faire tomber si c'est possible. Ah oui. Il a la main là, celle-là. Essaye de remettre le laser par là-bas. Vers la peluche. Ouais, sur la peluche directement. Ah, il y en a un deuxième. Oh, 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 oh. Attendez. Bonsoir. Il vient de partir. Je vous jure que je lui ai serré la main. Désolé de nos réactions, mais on s'attendait vraiment pas du tout à avoir une deuxième personne apparaître d'un coup. Ça devait la faire flipper. Ouais, c'est ça. Ne partez pas, s'il vous plaît, revenez. Il va dans le... On bouge pas. Mais c'est dingue, putain, t'as le laser qui lui apporte, qui appuie certaines parties. Ah oui, là, on a clairement la forme, regardez. Regardez la forme là. Regarde à gauche de la plante, t'as deux points qui apparaissent, c'est comme s'il avait son bras en direction du nounours. Ah oui, putain, oui. Oui, putain, c'est vrai, c'est chaud, je vais devenir quoi. Ah, merci beaucoup. Arrêtez, ça fait peur, quoi. C'est moi qui tiens le laser. Alors, j'ai des frissons, mais c'est des foutus frissons d'excitation. Vous imaginez même pas à quel point vous faites plaisir. Merci énormément. Hein. Merci, ouais. Merci. Retirez la plante. Merci beaucoup. Sortez la plante. Est-ce que quelqu'un a le courage de la sortir? Mais non, laissez-la la plante. Ça dérange pas. Il est là. Il est là, il bouge pas. C'est la tige de la plante. Ah oui, il est assis sur le carton, c'est ça? Non, il est assis devant le pot de la plante. Il est assis, en fait, tu vois, il est assis devant comme ça, de les jambes en direction de Johanna. Et il a la main posée derrière et comme ça. Bon, ben voilà, les amis, ça y est, l'événement est terminé. On s'apprête à rentrer chez nous. On est un petit peu fatigué, c'était intensif, mais franchement, qu'est-ce que ça valait le coup? On repart avec des souvenirs. C'était magnifique d'ailleurs. On a passé un très 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 bon moment avec tout le monde, avec toutes les personnes qui sont venues. Du coup, on en gardera vraiment de très bons souvenirs. Et d'ailleurs, on vous remercie encore d'être là, d'être venu. C'était un week-end de malade en fait. C'est clair, c'est des moments. C'était la folie. Des moments uniques. On est parti dire au revoir donc à Gérard. Et j'ai versé ma petite larme et même ne serait-ce que du week-end, j'étais très émue en fait de voir tout ça. Toutes ces personnes qui étaient là, voilà, c'était quelque chose.
c'était dur. Là par contre c'est horrible là en fait. C'est horrible parce que ben, on revoit tout, on revoit toutes les images, toutes. Voilà, c'est quelque chose que c'est dur à vivre en fait. Enfin, pour moi, pour ma part. Non mais oui, c'est vrai, ça fait chaud au cœur. C'était des moments vraiment uniques de partage qui sont vraiment merveilleux, qui resteront gravés en nous à vie, c'est sûr. Et voilà, on voudrait vraiment encore remercier une nouvelle fois toutes les personnes qui sont venues. Vraiment, on a eu la chance d'avoir un groupe vraiment exceptionnel avec des personnes tout au top, vraiment. Ouais. Voilà, c'était très enrichissant. On est super contents que ça a pu vous plaire également. Et puis voilà, on refera ça, c'est sûr et certain. On refera ça peut-être d'ailleurs dans le château, puisqu'on a vraiment passé un week-end de dingue avec Gérard, qu'on remercie encore d'ailleurs à travers cette vidéo pour toute sa gentillesse, son accueil qui a été très chaleureux, vraiment. C'est voilà, on il y a pas de mots pour décrire le week-end qu'on a décrit. C'était vraiment magique, quoi. Et voilà, moi aussi j'étais à deux doigts de pleurer. De pleurer, mais bon, on va éviter. Moi oui, écoute, voilà, je pleure en même temps, je suis humaine, donc je suis très sensible aussi, donc voilà, c'est normal. Donc mais c'est vrai que c'est difficile à retranscrire en vidéo les moments qu'on a vécu, mais je peux vous dire que vraiment ce qu'on a vécu, c'est vraiment inoubliable. Et à chaque fois, dès qu'on vous rencontre, c'est vraiment magique, quoi, voilà. Et on est content aussi que l'événement s'est très bien déroulé, on a pu faire tout ce qu'on voulait faire. Enfin, c'était top, quoi, vraiment, il n'y a rien à dire, c'était vraiment magique. On a passé un bon week-end. On a passé un week-end inoubliable et on remercie encore toutes les personnes qui étaient là. Et on espère vous revoir très bientôt, ça c'est sûr. Voilà, on espère tous vous revoir parce que franchement, vous êtes tous au top. Et voilà, merci encore. Et merci aussi à Mathias qui est derrière la caméra, qui a filmé, voilà, qui a filmé pas mal de scènes de cette vidéo que vous verrez, c'est si ça, ce n'est toutes. Il y a Dom aussi qui a filmé, donc merci aussi à Dom qui a beaucoup aidé aussi. Merci aussi évidemment à mon beau-père et à ma mère qui ont réalisé un travail de dingue aussi au niveau du buffet, au niveau même, enfin ils nous ont aidés pour tout. Ils ont bien géré. Ils ont géré vraiment comme des rois et on peut aussi évidemment les remercier parce que franchement ils ont assuré. C'était pas facile et ils ont assuré aussi. Donc voilà. Merci à tous en tout cas, on va se laisser sur ça. T'as encore un truc à rajouter, Joanna? Non, ben c'est tout, hein. Je pense que là on a vraiment tout dit. Je me retiens de pleurer, encore une fois, parce que c'est un truc de fou. Voilà. C'est-à-dire que quand à chaque fois on fait de nouvelles rencontres, on s'attache en fait, on s'attache énormément aux personnes. Et c'est quelque chose que nous en fait c'est important. Et de voir les personnes qui sont aussi loin, c'est vrai que ça fait mal, quoi. C'est quand que en fait on va se revoir tous, enfin c'est compliqué. Donc, puis même leurs mots sont touchants, hein, tout ce qu'on nous dit. Et puis même d'ailleurs j'ai reçu plein de messages et plein de mails que j'ai pas encore eu le temps de voir parce qu'on a dû tout ranger, tout ça, et je vais répondre. C'est dur, mais c'est, voilà. Bon, on se quitte sur ça en tout cas, donc merci encore, on espère que cette vidéo vous aura plu, même pour ceux qui n'étaient pas là du coup, et puis on refera très vite un événement à Château-l'Évêque, nous on y retournera, c'est sûr, on fera même certainement une enquête là-bas, parce que franchement c'est un lieu au top, et on veut vraiment revoir Gérard, parce qu'on a passé des moments uniques également avec lui, on a tissé des liens forts, et voilà, on espère y retourner très bientôt. Voilà, donc merci à tous en tout cas, on vous dit à bientôt, et merci encore à tous ceux qui étaient là, et on espère que cette vidéo vous aura plu. Gros bisous à tous, ciao ciao.